Yes. Bienvenue, Monsieur le Président. Oui. The floor is yours. I was never giving instructions to my spokespersons, and I was never taking instructions from them, so I did hesitate a little bit. It's the last time I have the pleasure, the honor, to address this forum, and I wanted to do that. I'm not a man who likes to go somewhere else than where he is, because I love those I was working with together deeply, and the press is part of that, not at the very same intensity, I have to say. But nevertheless, I wanted to address you a very last time, not to thank you. Not to thank you, because this is a mode and a mood and a way of expression and respect which is not the one which should exist between policymakers and the press. The press people, the journalists, are not allies. They are not slaves. They are there. And so I wanted to have my last appearance, so to say, in Brussels, in this press room. Comme je le disais, je ne suis pas l'homme des adieux. Il m'arrive de pleurer, j'ai déjà beaucoup pleuré, et ça suffit. Mais je voulais vous dire que je quitte la tête de la Commission avec des éléments d'autosatisfaction, avec quelques regrets nombreux, mais je suis heureux de quitter. Parce que être président de la Commission est une tâche qui n'est pas des plus faciles. Quelqu'un m'a offert un livre il y a 2 années, The Most Difficult Job of the World. Et je me suis dit, voilà, il doit s'agir du secrétaire général de l'ONU. Mais en feuilletant le livre, je découvre que c'était le président de la Commission qui était visé par cette description un peu pompeuse de son rôle. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec la presse. Je ne sais plus le nombre de rendez-vous que nous avons eus. Ils sont nombreux. 18 conférences de presse dans cette salle. 150 ou quelques. Soixante conférences de presse dans le VIP corner, 150 interviews, et donc je sais que je vous ai mis à contribution moins que vous ne l'auriez souhaité, mais je pense que la parole a de l'influence lorsqu'elle se fait rare. Et si on se répète chaque jour, si on se cite soi-même chaque jour, ce que j'aime faire, parce que je trouve tout de même avoir pu employer un langage qui fut assez compréhensible, on commence à énerver les autres. Donc je voulais vous remercier pour oui, cette longue route que nous avons faite ensemble. Und ich habe es immer sehr gemocht, dass man in diesem Saal mehrere Sprachen reden kann. Ich habe es nicht geschafft. Oui, mais l'allemand se fait plus rare. Je vois que the headphones are appearing. Ich habe es immer sehr gemocht, dass man sich hier in mehreren Sprachen ausdrücken kann. Zu den negativen Überbleibseln meiner Präsidentschaft gehört sondern Zweifel die Tatsache, dass es mir nicht gelungen ist, das Luxemburgisch auf dasselbe Niveau zu heben wie das Englisch und das Französisch und das Deutsche, aber dieses internationale Ambiente, dieses Linguistic Give and Take ist etwas sehr Besonderes für die Korrespondenten in Brüssel, von denen ich weiß, dass sie kein einfaches Leben haben, weil Artikel über Europa in den Heimatzeitungen unterzubringen,
braucht das Überzeugungskraft, weil die Mutterhäuser das nicht immer als so wichtig einschätzen, wie wir selbst das tun. Vielen Dank für das, was Sie mir an Begleitschutz und an das war ich, an Angriffsfläche. Ich habe Angriffsfläche gegeben und sie wurde weitlich benutzt, was mich nicht stört. J'ai dit depuis toujours que l'euro et moi-même, je crois que Mina l'a répété, je confonds toujours les deux d'ailleurs. Parce que toutes elles sont excellentes au même degré. Est-ce que j'étais en train de m'exprimer en français ou en allemand ? En français. Je ne sais toujours pas dans quelle langue je rêve. Si on parle plusieurs langues, on ne sait jamais dans quelle langue on rêve. Et de toute façon, je suis trop stupide pour me souvenir des rêves qui ont pu être les miens. D'ailleurs, il est plutôt agréable de voir que les rêves ne sont pas soumis à la dictature de la transparence. J'ai souvent dit que l'euro et moi, nous étions les seuls survivants du traité de Maastricht. L'euro sera seul. Je prends quelques questions.